part cette semaine, Seigneur, pour cette formation biblique, Seigneur, notre Dieu. Père, nous te prions au nom de Yahshua, notre Seigneur et le Sauveur, ton Fils, de nous diriger par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour que notre intelligence soit ouverte, afin de comprendre, Seigneur, de saisir ta pensée et ta parole. Seigneur, nous voulons être formés, nous voulons être enseignés, nous voulons être instruits par ton Saint-Esprit, afin de pouvoir te servir efficacement. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous nettoyer, de nous laver, de nous sanctifier, Seigneur, par le sang de ton Fils, qui a coulé à la croix, Seigneur, pour notre rédemption. Seigneur, nous te bénissons pour l'engouement, Seigneur, que ton Saint-Esprit suscite en nous. La soif de la parole, la soif pour la vérité, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, conduis nos cœurs, nos pensées vers toi. Nous te prions, Père très saint, au nom de Yahshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, nous recevons au nom de Yahshua pour cette session de formation. Avoir du lourd hein, pendant cette formation. Et sachant qu'il y aura une autre formation en juillet, là on va sélectionner. Parce que nous voulons donner quand même du costaud aux gens qui sont prêts à servir le Seigneur. Donc, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Nous voulons équiper rapidement les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui le craignent. Nous ne voulons pas donner des choses saintes aux pourceaux, hein, comme la parole le dit. Nous en avons assez de voir des gens qui se disent chrétiens, qui tombent dans le péché de temps à autre. Et on n'a plus le temps pour ça. Nous voulons vraiment donner du costaud aux gens qui veulent aller plus loin avec le Seigneur. Voilà. Donc, on va prendre un passage dans Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 19, nous lisons les versets 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, voilà, pourquoi cette formation? Parce que c'est biblique que le Seigneur nous a demandé de faire des disciples. Hein, dans Matthieu chapitre 18, comme le 28, de faire de toutes les nations des disciples. Bien sûr, les adeptes. Et là, on voit que Paul, n'est-ce pas, dans l'Asie mineure, va séparer les disciples d'avec la foule. Il va séparer les disciples d'avec les religieux. Et pendant 2 ans, il va enseigner dans une école. Donc, quelqu'un avait mis à la disposition de Paul et son bâtiment d'école afin de pouvoir former ses disciples. Donc, on voit bien que ses frères et sœurs étaient déjà disciples avant de recevoir la formation. D'accord ? Donc, on est disciples dès la conversion. D'accord ? Donc, dès la conversion, on est disciples et ensuite, il faut être, n'est-ce pas, enseigné. Il faut être formé. Donc on parle vraiment, on voit qu'il y a eu la séparation, comme je vous le disais. Voilà, t'as pas le cahier, frère? Si. Ok, donc voilà, c'est bien. Donc il y a eu la séparation. Donc comme je le disais, on donne des enseignements lors des réunions d'église, lors des réunions aussi de réveil, comme c'est le cas actuellement à Évry, où il y a un peu de tout, n'est-ce pas? Donc il y a des enfants, il y a des gens qui craignent Dieu et d'autres qui ne le craignent pas. Et on voit que très peu acceptent, très peu gardent cette parole qui est donnée. Et c'est comme si vraiment on faisait de perles hein, dans la boue. Donc là, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire une sélection avec des gens, des frères et sœurs qui le craignent, qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent le servir, de pouvoir les équiper. Voilà, donc pendant cette formation, bien sûr, il y aura d'autres intervenants, il y aura des ministères que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, qui viendront d'ici et là en fonction de leur emploi de temps pour pouvoir vous enseigner, vous former. Donc, Paul enseigne les disciples. Donc, les disciples ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être formés.
Et dans nos églises, il y a pratiquement plus de formation, pratiquement plus d'enseignement. D'accord? Donc, on voit plus d'adeptes que des disciples. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. On a vu que on est disciple dès la conversion. D'accord? Et on est disciple alors qu'on n'a pas encore reçu le baptême d'eau. D'accord? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Premièrement. Ensuite, il faut les baptiser. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, on ne devient pas disciple parce qu'on a reçu un baptême. On devient disciple parce qu'on a reçu Yahushua dans son cœur. Et puis, on fait des disciples et on les forme. D'accord? On ne fait pas des disciples pour pouvoir les laisser tels que. On fait des disciples et on les forme. C'est vraiment important de le signifier et de le souligner. Donc, ensuite, le Seigneur dit. Et après avoir fait les disciples, et après les avoir baptisés, hein, on nous dit, troisièmement, il faut, n'est-ce pas, leur apporter des enseignements. Enseignez-leur à faire quoi? À observer. Les disciples sont des personnes qui observent, hein, qui gardent tout l'enseignement du maître. Hein. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce soir, on va parler du discipulat, d'accord? La formation des disciples. D'autres l'appellent le discipulat, enfin, peu importe. Voilà. Nos bâtiments d'église sont remplis d'adeptes. Vous savez, les adeptes, ils sont ballottés à tout vent de doctrine. D'accord? Ils entendent un son de cloche, hop, ils le suivent. Dès qu'ils entendent un autre pareil, ils ne sont pas fondés. Et comme je vous le disais, frère, je sens de plus en plus que le Seigneur est en train de revenir. Et très honnêtement, je n'ai plus tellement à cœur de partager les choses que Dieu nous donne à n'importe qui. C'est-à-dire, on va prêcher la croix à tout le monde, ça n'est pas de problème, mais les choses profondes du royaume, on ne peut plus les partager avec n'importe qui. C'est plus possible parce que les gens ne sont pas, beaucoup de chrétiens ne sont pas fondés. Il y a trop d'instabilité. D'accord? Donc, donc, on voit ici que le disciple est celui qui, n'est-ce pas, observe tout l'enseignement du maître. Ici, le maître, bien sûr, c'est Yahushua. D'accord? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? Donc, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on a vu les apôtres, n'est-ce pas, répondre à cet appel, à cette grande commission. Ils sont allés partout. Ils ont fait, non des adeptes, mais des disciples. Et on voit dans Actes chapitre 14, par exemple, verset... Et 21... Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc les disciples sont des personnes qui croient au Maître, n'est-ce pas? Ils croient en Yahushua. Et on voit ici Paul et Barnabas ont fait des disciples, n'est-ce pas, dans les églises de la Galatie. Donc ils arrivent là dans Actes 13, on voit que le Seigneur les envoie donc, en mission, Paul et Barnabas accompagnés de Jean comme aide. Et ils arrivent pour la première fois, ils arrivent à Antioche de Pisidie, une des villes de la Galatie. Et ils font les disciples là-bas, ils arrivent à Derbe, à Lystre, une des villes de la Galatie, ils font des disciples. Et à chaque fois qu'ils faisaient des disciples, ils les formaient et ils les quittaient. Ils les laissaient seuls.
Il n'y avait pas forcément un pasteur parmi eux, un prophète, un ancien. Ils les laissaient tels qu'eux, mais ils étaient tellement bien formés qu'ils étaient capables de se prendre en charge. Ce n'étaient pas des chrétiens que l'on voit actuellement qui sont, comme je le disais, je vais de plus en plus souligner cette instabilité que l'on rencontre de plus en plus dans le milieu chrétien. Quand j'entends par là, on voit, comme je le disais, de plus en plus de personnes, des frères et sœurs qui sont instables. C'est-à-dire, à la moindre tentation, ils baissent les bras, à la moindre critique, ils suivent. Ils ne sont pas dans cette intimité avec le Seigneur pour pouvoir écouter plus Dieu que les hommes, n'est-ce pas? Donc, il faisait des disciples, il les formait, il les laissait seuls. Les églises étaient, n'est-ce pas, remplies de disciples. Voilà. Des hommes et des femmes qui étaient capables de pouvoir se prendre en charge, qui étaient capables de pouvoir, corriger les mauvais enseignants, les faux enseignants, les reprendre dans l'amour, mais ils étaient capables de se prendre en charge. Ce n'étaient pas des adeptes. Ils n'étaient pas là en train de courir après les pasteurs. C'était les disciples du Seigneur. Et donc on a vu ensuite dans Actes 19, là-bas, le premier verset que nous avons lu, que Paul va, n'est-ce pas, séparer les disciples d'avec la foule, afin de pouvoir les former. D'accord? Donc, donc cette séparation est vraiment nécessaire. Et on a vu également dans Actes 14 là-bas que les anciens étaient nommés, ensuite votés. Et ces anciens étaient d'abord des disciples. D'accord? Ils étaient d'abord des disciples. Nous allons voir les deux types de discipulat. Donc le discipulat sous Moïse et le discipulat sous la grâce. On repart dans Matthieu 28 là-bas. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est un ordre déjà que les apôtres avaient reçu, Matthieu 28, 19, on l'a lu, hein, donc je le relis encore. Et allez, d'accord. Donc ici, dans le grec, le verbe aller est un. Bon, c'est sûr qu'il est à l'impératif, c'est un ordre. Et au conditionnel, pardon. Mais à l'impératif. Donc c'est un ordre que ça donne. Donc c'est un verbe qui est au présent en fait. Donc c'est tout le temps. Donc ce n'est pas de temps à autre. Hein, donc c'est pas comme si on va faire des disciples pendant un mois, pendant un an, deux ans, trois ans, et puis après on va faire une pause. Donc il faut de manière permanente faire des disciples, produire des disciples. D'accord? Donc un bon ministre de Dieu est celui qui produit des disciples et non des adeptes. Un adepte, c'est quelqu'un qui suit un homme aveuglement, hein, et qui défend sa dénomination, son bishop. Mais un disciple est celui qui, n'est-ce pas, défend le royaume de Dieu, qui suit le Seigneur, qui a une intimité avec le Seigneur. Donc, le verbe « aller » ici, qui est à l'impératif, est un verbe qui nous donne en fait à aller de manière permanente, de produire des disciples tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, il y a plusieurs... avant de développer les deux types de disciples, là, sous la loi et sous la grâce, j'aimerais vraiment qu'on lise quelques passages d'abord. Donc, concernant le discipulat, donc il y a plusieurs choses que vous devez savoir par rapport au discipulat. Donc il y a plusieurs notions que vous devez avoir à l'esprit. Et la racine du mot disciple, mantano, nous parle de plusieurs choses. Premièrement, il y a la notion d'apprendre, d'accord? Le disciple est celui qui apprend, d'accord? Nous sommes dans Matthieu 9, 13, donc quelqu'un pourra nous le lire. Matthieu 9, 13, si quelqu'un peut... Matthieu 9, 13, je lis la parole. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice.
et non en sacrifice, pardon. Ok. Allez et apprenez. D'accord. Le mot disciple vient de cette racine, d'accord, Mantano. Et Mantano nous parle d'abord de l'apprentissage. D'accord. Il y a une différence entre prendre et apprendre. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui viennent pour prendre. D'accord. Quand on va quelque part pour prendre, on n'est pas, il n'y a pas la patience, il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas l'écoute. Donc on veut prendre vite fait, avoir la connaissance rapidement pour, parce qu'on a des intérêts personnels, parce qu'on veut bâtir son ministère, parce qu'on veut prouver aux gens qu'on a la connaissance. Et ça, c'est on ne va pas aller loin avec cette mentalité-là. On part quelque part, bon, comme il y a des enseignements qui sont quand même corrects, on va prendre et non apprendre. Donc, apprendre ici nécessite, n'est-ce pas, implique l'humilité. Vous voyez? Donc, la soumission vis-à-vis du Seigneur, comme Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. D'accord? Donc il y a la patience, également, il y a la notion de la patience. Parce que celui qui va quelque part pour apprendre, comme quand vous venez comme ça, là, pour soi-disant apprendre, mais si vous avez la mentalité de prendre, le moindre faux pas, vous allez vous désister, vous allez partir, vous allez. Voilà. Mais si vous êtes dans cette mentalité d'apprentissage, là, quelles que soient les épreuves, vous allez quand même persévérer. Parce qu'il y a la patience, parce qu'il y a l'humilité, parce que voilà. Quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous, vous allez quand même persévérer parce que vous voulez apprendre. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il faut cette patience-là. Parce que en tant que disciple, il faut être discipliné. Il y a la discipline, n'est-ce pas, dedans. Et il y a la persévérance. Les apôtres ont persévéré avant de pouvoir apprendre. Il faut de la persévérance, il faut de la patience. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est la réception, donc recevoir. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Les instructions. Donc, bien sûr, on apprend, on reçoit. Donc c'est la réception, on reçoit. Le disciple, celui qui reçoit, bien sûr, l'enseignement du maître. Et voilà, donc on donne sa vie au Seigneur, on est tout de suite disciple, mais il faut recevoir. Mais si on estime qu'on connaît déjà, on ne peut pas recevoir. D'accord? Donc parfois, il faut désapprendre pour pouvoir apprendre. Et on ne veut pas perdre son temps, moi personnellement, avec des gens qui connaissent déjà. Donc ça ne sert à rien. Il faut vraiment se mettre dans l'attitude de la personne ou d'une personne qui veut découvrir réellement les choses. Donc voilà, parce que vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur si vous n'avez pas un cœur réceptif, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, et ensuite, il y a l'instruction. Donc, on va lire par rapport à la réception, Colossiens 1, 7. Que vous avez reçu des paraphrases, votre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un modèle, un fidèle ministre de Christ. D'accord. On va prendre Matthieu 24, 32. Et en Corinthiens 14, 35. Matthieu 24, 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. D'accord. Et 1 Corinthiens 14, 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles interrogent leur mari à la maison, car il est mal séant une femme de parler dans l'église. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison.
Donc, le disciple, celui qui s'instruit, d'accord? Et l'instruction ne finit jamais. Jusqu'à sa mort, le disciple sera toujours en train d'apprendre, n'est-ce pas, de s'instruire. Donc, ensuite, nous avons l'enseignement, d'accord? Et dans Jean 6, 45, quelqu'un pourra nous le lire. Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Mm-hmm. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ok. Donc le disciple ne peut pas venir au Seigneur s'il n'a pas reçu l'enseignement du Père. D'accord? Donc le disciple est quelqu'un qui reçoit l'enseignement. D'accord? Or, beaucoup de chrétiens dans nos églises actuellement ne sont pas disciples de Christ. Ils ne sont pas enseignés. D'accord? Il n'y a pas d'enseignement. Et quand on commence à enseigner, ces gens, ils sont beaucoup d'arbres. Or, l'enseignement peut durer 2, 3, 4 heures, 5 heures, toute une nuit. Pour enseigner parfois toute une nuit, on le voit dans la parole. Vous voyez, le disciple est celui qui est capable de s'asseoir et de recevoir l'enseignement pendant toute une journée. Or, nous n'avons pas été habitués à recevoir des tels enseignements. Nous avons été habitués à recevoir des prédications au bout de 30 minutes, on est déjà fatigué. Et on va nous faire croire que non, l'esprit humain n'est pas capable de supporter les enseignements qui durent des heures et des heures. Oui, si c'est fait charnellement. Mais si c'est l'esprit qui est derrière, frère, c'est biblique, c'est possible. D'accord? Nous avons eu à enseigner des gens pendant des heures et des heures dans ce ministère. J'ai eu à les gens que personnellement j'ai formés ici. Il y a eu des moments où on faisait de 20h au lendemain 9h, non-stop dans l'enseignement. Hein, tu te rappelles, hein? Voilà, donc il n'y avait pas de fatigue parce que l'esprit était présent. Et c'est comme ça que les gens, au bout de 6 mois, 1 an, étaient formés, capables de pouvoir défendre la parole du Seigneur. Voilà, donc on a besoin d'enseignement. Le disciple est celui qui reçoit l'enseignement. Et à la fin, la dernière position, c'est l'étude. N'est-ce pas, nous sommes dans Jean chapitre 7, verset 15. Le disciple est celui qui étudie. C'est l'étudiant. Jean 7, 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Voilà. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, vous voyez, apprendre, recevoir, instruction, enseignement, étude, toutes ces choses-là, viennent de Mantano. Mantano signifie apprendre, recevoir, instruction, enseignement, étude. Et c'est la racine du mot disciple. D'accord? Vous voyez, si on n'est pas capable d'apprendre, si on n'est pas prêt de recevoir, d'être instruit, d'être enseigné, d'étudier, ça ne sert à rien de chercher à être disciple du Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc il faut être un étudiant. Un étudiant de la parole d'abord. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas, vous avez du mal à méditer la parole du Seigneur chez vous, ça ne sert à rien, même si on vous donne des enseignements ici, ça ne va pas rentrer. Ça ne sert à rien. Et personnellement, je ne veux pas former les gens qui ne sont pas capables chez eux de pouvoir méditer la parole correctement. Si vous ne lisez que 2 ou 3 versets, ça ne sert à rien de venir vous former au centre. Vous devez être des personnes qui sont capables de prendre tout un livre tel que Éphésiens et le méditer, voilà, entièrement. D'accord? Et les Hébreux ne badinaient pas à l'époque avec les études. Hein. Ah non. Ils passaient des journées entières en train de méditer la Torah. Vous savez, le terme méditer, le mot méditer en hébreu, c'est murmurer. D'accord? Ils sont là en train de murmurer la parole pendant des heures et des heures. D'accord? Donc j'insiste là-dessus. Donc si vous avez du mal à lire la Bible chez vous, si vous êtes du genre à lire un verset, deux versets, et vous contentez seulement de 2 ou 3 versets,
ou d'un chapitre, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment prendre, par exemple, 1 Corinthiens, vous lisez toute cette épître-là, hein, d'une seule traite. Voilà, une seule traite. Et vous essayez d'étudier l'épître, l'histoire qu'il y a derrière, la culture qu'il y a derrière, qui étaient les Corinthiens, tout ça. Voilà, il faut du temps pour étudier la parole du Seigneur, il faut s'accorder du temps. D'accord? Amen. Qui sont ceux et celles qui ont du mal à lire la Bible comme ça? À lire les livres entièrement. Vous voyez? Pratiquement tout le monde. Hein? Voilà. Donc là, vous n'êtes pas prêt, hein, d'être. Enfin, il y a la volonté certes de vous former, mais il faut changer les habitudes. Changer vos habitudes. Un disciple, c'est celui qui étudie. D'accord? Amen. Je ne peux pas, c'est-à-dire tous les jours, je m'organise pour pouvoir lire ne serait-ce qu'un livre de la Bible. Chaque jour. D'accord? Voilà. Ensuite, je peux, de temps à autre, lire de passages ici et là, mais je sais qu'il y a une discipline par jour, il y a au moins un livre que je dois étudier. Comme avant de venir, cet après-midi, j'ai médité toute l'épître de Paul aux Éphésiens. Ensuite, après, il était chez voir Jérémie, Ésaïe ici, Ézéchiel, je ne sais pas, voilà. Donc, il faut du temps. Sinon, on ne pourra pas être disciple. Vous voyez, si nos églises sont si malades, c'est parce que les chrétiens ne méditent pas la Bible. Tout simplement. Donc, et vous savez, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Donc nous sommes sur le disciple là, vous inquiétez pas. Et cette lettre-là, qu'on appelle l'Amen, d'accord, c'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Et l'Amen signifie instruction. Et la med signifie aussi à la forme d'un fouet. D'accord? Vous comprenez pourquoi la verge est associée à l'instruction, à la correction. L'instruction est associée la correction est associée à l'instruction. Donc, n'éloigne pas de l'enfant la verge, hein, la verge de l'enfant, sinon il ne sera pas instruit. D'accord? Et c'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. 12, c'est le nombre du fondement, hein, donc la fondation. Donc, pour que un disciple soit fondé, il faut qu'il soit enseigné. Pour qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit corrigé, redressé. D'accord? Et la maître nous parle aussi de rabbi, maître. D'accord? On comprend pourquoi le Seigneur, quand il enseignait, il nous dit qu'il parlait avec autorité. D'accord? Parce que on ne peut pas enseigner les gens sans l'autorité du Seigneur pour corriger, pour redresser, pour instruire, tout ça. Là. Vous voyez, et la parole le dit, hein, toute écriture est inspirée de Dieu, 2 Timothée 3,16, est utile, n'est-ce pas, pour corriger, pour redresser, tout ça, là, afin que l'homme de Dieu soit instruit. Vous voyez, donc on associe l'instruction à la correction. On va le lire, n'est-ce pas, 2 Timothée chapitre 3, verset, n'est-ce pas, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez. Donc, pour que l'homme de Dieu, le disciple, soit accompli, n'est-ce pas, il faut, comme la parole le dit, qu'il soit enseigné, qu'il soit convaincu, qu'il soit corrigé,
et instruit dans la justice. Donc, si vous voulez enseigner, vous voulez être enseigné, il faut aussi accepter la correction du Seigneur, bien sûr. C'est pas possible autrement. Donc, c'est important. Voilà pourquoi même dans les écoles, n'est-ce pas? Et il y a également le bâton. À l'époque où on était à l'école, là, il y avait le bâton. Vous voyez, quand on était petit. Voilà. Et c'est la discipline, vous voyez, c'est associé, tout est... C'est même le monde est régi par la parole de Dieu. Vous voyez? Et c'est vraiment important. Et c'est pour cela qu'il faut étudier. Donc, le Saint-Esprit me pousse à répéter cela. Donc, ce n'est pas en vain, c'est la Med. Vous voyez, la Med est la seule lettre de... En fait, c'est la lettre qui dépasse toutes les autres lettres hein, de l'alphabet hébraïque. D'accord? Donc, ça veut dire que l'instruction nous élève. D'accord? Et vers le Seigneur, donc, l'instruction, l'étude, tout ça, là, c'est important. Et c'est pour cela, même quand les apôtres posent la question au Seigneur, quant à savoir quand est-ce que la fin du temps arriverait, le Seigneur leur a dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. D'accord? Donc, la méditation. C'est pour cela que tout à l'heure, Anne vous a parlé du travail que vous aurez à faire là, en lisant le livre La captivité de l'Évangile. Et dès vendredi, on va vous poser des questions là-dessus. N'est-ce pas? Vous allez me faire le lire toute la semaine, là, dès ce soir. Là. Et à la fin, vendredi, vous allez nous faire un rapport, un résumé de ce livre, ce que vous avez compris. Tapez pas écrit à la main, donc bien comme il faut, sur ordinateur, tout ça. Et voilà. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire un rapport là-dessus, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à recevoir la formation. D'accord? Il faut faire un résumé, un travail personnel sur ce livre-là. Voilà. Parce que là, ça va être du costaud. Alléluia. Il y en a qui vont dire, oui, mais on n'a pas le temps. Si, on aura le temps. Vous avez largement le temps. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Donc, voilà. Et vous savez, ça m'arrive parfois de lire deux ou trois livres en même temps. Et il n'y a pas longtemps, je lisais un livre de 600 pages. Donc, je travaille comme un... Je travaille. Donc, j'essaie de travailler. Et pour avoir la connaissance, là, il faut travailler aussi. D'accord? Pierre nous dit, faites tous vos efforts. D'accord? On va lire ce passage-là. Ensuite, on va développer les deux types de disciples-là. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ok, merci. Vous voyez, faites tous vos efforts. La chair ne veut pas faire d'efforts. D'accord? Ah non, pas du tout. Hein. Surtout en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Il y a une lutte. Hein. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. D'accord? Le disciple, contrairement à un adepte, le disciple est celui qui a la connaissance, d'accord, de son maître, de la parole de son maître, de l'enseignement de son maître. Le disciple est celui qui suit un maître, qui reçoit l'enseignement d'un maître. D'accord? Et chez les Hébreux, la notion du disciple, du maître et disciple, la notion du disciple là était très très ancrée. Donc les gens, n'est-ce pas? Et il y avait plusieurs écoles hein, où l'on voyait des maîtres avec leurs disciples qui les suivaient partout. Par exemple, à l'époque de Samuel, il y avait une école de prophètes et Samuel avait
Et à sa charge, plusieurs prophètes qui l'encadraient, qui formaient. Et on nous parle des fils des prophètes, n'est-ce pas? Donc, qui se formaient. Donc, on va voir maintenant le discipulat sous la loi. Et on va commencer avec notre frère Moïse. Dans Exode 24. Quelqu'un peut-il nous lire le verset, les versets 9 à 13? Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, c'était comme un ouvrage de saphir transparent sur le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Merci. Merci. Voyez ici, sous la loi, il y avait aussi les disciples. Hein? Mais ce n'est pas pareil que sous la grâce. On va voir un peu cette différence qu'il y a. D'abord, sous la loi, les disciples ne servaient pas Dieu directement. D'accord? Ils servaient Dieu, n'est-ce pas, de manière indirecte. Ils servaient les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ils avaient appris à servir les hommes avant de servir Dieu. Et on a vu ici Josué et Moïse, n'est-ce pas? On nous dit que Josué servait Moïse. Josué n'avait pas une relation personnelle avec le Seigneur. Il avait une relation personnelle avec Moïse. Et Moïse avait une relation personnelle avec le Seigneur. D'accord? Donc, c'est pas qui c'est portable, hein? Je t'en avais demandé à ce soit éteint. Donc, Josué servait Moïse. Donc, la parole de Moïse était la parole de Dieu. D'accord? Voilà, donc Josué ne pouvait pas contredire son maître. Et vous avez vu, partout où était Moïse, Josué était là. D'accord? Il observait comment Moïse servait Dieu. Il regardait tout. Les anciens restent au pied de la montagne et Moïse et Josué et son serviteur Josué vont sur la montagne à la rencontre du Seigneur. D'accord? Et vous allez voir que Josué n'avait pas vraiment une relation directe avec le Seigneur avant que Moïse ne soit enlevé. Par exemple, dans Exode, chapitre 32, lorsque Moïse descend de la montagne avec Josué, Josué va dire à Moïse que, voilà, on va le voir. Exode 32, on va le lire à partir du verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ok, verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Ok, tu vois? Et au verset 7, on nous dit que Dieu parle à Moïse, mais non à Josué. Et pourtant, les deux étaient sur la montagne. Donc Moïse avait le discernement parce que Dieu lui avait parlé. Voyez? Et quand il descend de la montagne, Josué entend le cri dans le camp, et il a
pas eu le discernement, il a mal discerné, n'est-ce pas, ce bruit. Et il pensait que c'était la guerre. Et Moïse lui dit, non, ce n'est pas la guerre, mais c'est autre chose. Parce que Moïse était en relation directe avec le Seigneur. Josué n'entendait pas Dieu. Vous voyez, le disciple là sous la loi. Donc les élèves, n'est-ce pas, les disciples, étaient déconnectés du ciel. Ils étaient connectés à leur maître. Vous allez voir que malheureusement, beaucoup de pasteurs se comportent comme ça. Le discipulat qui est prêché dans la plupart de nos églises actuellement est un discipulat, n'est-ce pas, mosaïque. D'accord? Donc les chrétiens sont déconnectés de la réalité céleste, du Seigneur, et connectés aux hommes. D'accord? Donc du coup, ils n'ont pas besoin, donc les chrétiens, de méditer la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de méditer, de prier, véritablement. Parce que les pasteurs sont payés pour le faire. Et c'est pour cela que nos églises sont si malades. Et voilà. Et nous sommes dans, je crois, Nombre chapitre 13. Là, Moïse envoie les 12 espions, n'est-ce pas, pour explorer le pays de Canaan. Et on nous dit au verset 16. Quels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays? Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. D'accord. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ok. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays, c'est le temps des premiers raisins. D'accord, c'est bon. Vous voyez, Moïse était tellement, Josué était tellement au service de Moïse que quand Moïse va envoyer ses 12 espions, donc, dont Josué, son serviteur, il va carrément changer le nom de ce dernier. Et Josué n'a pas murmuré, n'a pas refusé. Josué s'appelait d'abord Osée, c'est Osaïa c'est salut. D'accord? Donc, en fait, Moïse, qui était le maître de Josué, avait le discernement et il avait compris que, oui, c'est bien, tu t'appelles Osée, salut, mais le salut vient de qui? D'accord? Tu ne peux pas libérer le peuple, tu ne peux pas amener ce peuple. Donc, en gros, c'est comme si Moïse disait à cet homme, tu ne peux pas amener le peuple, n'est-ce pas, à son héritage, tu ne peux pas le faire entrer dans son héritage sans le nom de la personne d'où provient le salut. Voilà, donc, et là, il donne le nom de Josué, donc Yehoshua, qui donne Yahvé salut, d'accord? Yahvé salut, Yahvé et salut. Vous voyez donc, Moïse a ajouté le nom de Yehoshua, donc qui donne en français Josué, ou encore Jésus en grec, Jésus en grec. D'accord? Donc ça, il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Yehoshua qui donne Jésus, Jésus donne Jésus. Voilà. Donc vous voyez que c'était quand même un disciple assez particulier. Et si le maître n'était pas vraiment appelé de Dieu, il pouvait faire n'importe quoi à ses disciples parce qu'ils étaient totalement soumis aux hommes. D'accord? Donc, le nom de Yehoshua, de Jésus-Christ, de Jésus, a été utilisé pour la première fois ici. Donc, par rapport à la conquête de la terre de Palestine, donc de Canaan. Donc, vous voyez que Moïse était vraiment un bon maître. Et on va voir aussi par rapport à Jésus, toujours, quand Moïse va, n'est-ce pas, avant que je ne l'enlève, on nous dit que Moïse avait posé sa main sur Josué. Hein? Donc, et Josué avait reçu justement la grâce de son maître.
Voilà, et on connaît la suite hein, donc, de cet homme, son ministère. Et il était bien formé, bien préparé, n'est-ce pas, à prendre la relève. D'accord. Donc ce disciple-là, il s'y préparait les gens à prendre la relève de leur maître. D'accord. Et dès la mort du maître, tout de suite, Dieu se révélait aux disciples. Et le levait devant tout le monde. Et tout le monde, bien sûr, avait la crainte. Mais tant que le maître était là, le disciple ne pouvait pas manifester la même onction. C'est pas possible. La même grâce. Voilà. Il y avait comme un peu une vision pyramidale. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le cas d'Élisée, hein, d'Élie et d'Élisée. Nous sommes dans 1 Rois chapitre 19. On va juste prendre ces deux exemples. Un roi 19, 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec la plage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il se leva, suit Élie et fut à son service. Et non au service de l'Éternel. Au service de l'homme, de Dieu. Et vous allez, comme je vous le dis, hein, remarquer ce disciple-là, là, mosaïque, dans la plupart de nos églises. D'accord ? Ça amène le désordre. Et un autre passage, dans 2 Rois chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Voilà, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc Élie mangeait, quand il faisait de manger, Élisée venait, prenait de l'eau et versait. En gros, il lavait les mains d'Élie. Il était au les gens étaient au service des hommes. Ils pouvaient aller puiser de l'eau pour eux. Ils pouvaient faire à manger pour eux. D'accord. Donc, la formation était une formation aussi bien spirituelle que physique. Hein. Donc, voilà, l'instruction concernait tous les aspects de la vie. Voilà. Et ils étaient avec leur maître, ils dormaient avec eux et ils pouvaient leur faire à manger. C'est exactement ce que beaucoup des pasteurs font. Aujourd'hui, avec les frères et ceux qui sont à leur service, qui sont sous leur autorité. Ça, c'est fini cette époque. On cherche un prophète et on dit, la référence que l'on donne, c'est voilà, ben, y a Élisée qui versait de l'eau, voilà, donc sur les mains d'Élie. Voilà. D'accord. Et tant que Élie n'était pas enlevé, Élisée ne pouvait pas recevoir la double portion, c'était pas possible. Voilà, donc et nous avons également le cas de Samuel. Samuel servait le Seigneur auprès d'Élie, le sacrificateur. Vous voyez ? Maintenant, le disciple-là est sous la grâce, n'est plus, c'est plus la même chose. Parce que tous ces maîtres-là qui ont vécu à l'époque de Moïse, et Moïse lui-même, Élisée, Élie, pardon, et Élisée, parce qu'il y a eu Élisée et Géasi, d'accord. Donc, Samuel et Élie, le sacrificateur, tous ces hommes qui étaient des maîtres, préfigurés en fait, Yéhoshoua, d'accord. Voilà. Et tous leurs disciples préfiguraient justement les chrétiens que nous sommes, les disciples que nous savons. Et vous avez vu comment ces disciples ont servi leur maître. Ils n'étaient pas dans les murmures. Non. D'accord. Et quand Jean-Baptiste est venu, en tant que un bon, n'est-ce pas, lévite,
sacrificateur, parce qu'il était lévite sacrificateur, il faut le savoir, parce que ses parents, son père était sacrificateur. Donc, et en même temps hébreu, Jean est venu dans la même lignée des maîtres de la loi, et il avait également des, n'est-ce pas, disciples. D'accord ? Dans Jean chapitre 7, dans Luc chapitre 7, on nous dit que Jean-Baptiste a envoyé même, au verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. D'accord ? Et vous allez voir qu'à l'époque, les disciples, comme je vous l'ai dit, mangeaient avec leur maître, dormaient avec eux. Ce n'était pas une formation didactique qu'ils recevaient, c'est-à-dire des enseignements comme ça. Voilà, ils ne se rencontraient pas dans les écoles pour recevoir les enseignements de leur maître. Et puis ensuite, chacun repartait chez eux. Non, ils vivaient avec leur maître. La formation était permanente. Non seulement didactique, mais était également, c'était la transmission de la vie. D'accord ? Ils voyaient, ils pouvaient voir leur maître pleurer. Ils le voyaient comment il priait, comment il jeûnait. D'accord ? Et c'est comme ça qu'ils apprenaient. D'accord ? C'était vraiment une formation pratique. Et tout le monde dans le pays, les villes où ils étaient, savait qu'un tel était disciple de tel prophète, de tel maître. Voilà. Et donc Jean avait ses disciples. On a vu au verset 19, ici dans Luc 7, il en appela deux et il les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Donc voyez donc, les maîtres envoyaient aussi leurs disciples. Quand Élisée a voulu ressusciter le fils de la Tsunamite, d'accord ? Il a envoyé Géasi avec son bâton. Voyez, donc les maîtres envoient les disciples. Donc si nous sommes disciples de Yeshua, il va nous envoyer. Mais il ne peut pas nous envoyer si nous ne sommes pas enseignés. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas nous envoyer si nous ne sommes pas équipés, si nous ne sommes pas dans l'étude de sa parole. Beaucoup de chrétiens veulent être envoyés, veulent connaître leur ministère, mais ils ne veulent pas être disciples. C'est là qu'il faut commencer. Amen. Amen. Et nous sommes dans Luc chapitre 16, chapitre 6. Quelqu'un peut nous lire versets 12 à 16. Oui, chapitre 6, 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint prêtre. Ok. Juste une parenthèse. Est-ce que vous savez que Judas, le traître, était le seul disciple qui était de la même région que Yeshua? D'accord. Iscariot était un des villages de la Judée. D'accord. Christ était de la Judée, donc Judas. Et les 11 autres étaient galiléens. Et c'est le seul qui a trahi le Seigneur. Et vous voyez, on nous dit que Christ va prier toute la nuit. C'est-à-dire combien de temps ? 12 heures. D'accord ? Avant de choisir ses apôtres. Et il les a choisis parmi ses disciples. Donc vous voyez qu'on ne peut pas aspirer à un quelconque ministère public, apostolat, ministère prophétique, si on n'est pas d'abord disciple. D'accord ? Avant d'être établi apôtre, ils étaient disciples. Ils passent 12 heures en prière, n'est-ce pas ? Et pour que le Père lui révèle les personnes avec lesquelles il allait travailler. Une heure pour chaque disciple, pour chaque apôtre. C'est terrible. Et on nous dit que quand le jour parut, il appela ses disciples. Il y en avait beaucoup. Il avait beaucoup de disciples, plus de 1000. Mais il fallait maintenant choisir les apôtres parmi ses disciples. Donc, vous voyez, le Seigneur ne peut pas vous appeler dans un ministère de puissance, dans un ministère, peu importe le ministère public ou, je ne sais pas, vous envoyer une mission, si vous n'êtes pas d'abord un disciple. Le disciple est celui qui est discipliné. Quand le péché vient, le disciple dit, je refuse. D'accord ? Celui qui tombe tout le temps ne peut pas servir le Seigneur, ça ne sert à rien. Non.
C'est pas, c'est il faut de la discipline. Voilà. D'accord? Amen. Alors, vous avez vu que le discipulat sous la grâce, il y a quand même aussi deux aspects un peu. Hein. Il y a eu d'abord les apôtres qui ont connu Christ physiquement, contrairement à nous. D'accord? Et les apôtres, les douze, ont vécu quand même le discipulat comme à l'époque de Josué et Moïse. Parce que Jésus pouvait les envoyer acheter à manger. Il a fait dans Jean 4. D'accord? C'était le maître, donc ils y allaient. Et Jésus, comme Moïse, parlait au nom de son Père. Donc il ne pouvait pas être contesté. D'accord? Donc le pasteur qui va vouloir se mettre à la peau du Seigneur pour imposer le discipulat que le Seigneur avait avec ses apôtres aux chrétiens deviendra forcément antichrist. D'accord? Donc, les disciples du Seigneur étaient là constamment avec lui. Regardez dans Jean 11. Quelqu'un peut nous lire juste le verset premier. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Luc 11, pardon. Luc 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Tu vois? Donc les disciples voyaient faire les choses, voyaient leur maître faire les choses et ils le faisaient. Ils voient Christ prier. Ils se disent, waouh, quelle manière de parler à son Père, quelle intimité. Et ils demandent justement de leur apporter des enseignements sur la prière. Et c'est pour cela que le Seigneur leur enseigne sur la prière, notamment dans Matthieu 6, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, voilà, tout ça. Voilà, ils ont vu Jésus parler au Père. Ils étaient tellement émerveillés, ils lui demandent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais comment voulez-vous, un pasteur, par exemple, qui va vous enseigner sur la prière, mais si vous ne l'avez jamais vu prier, mais, il peut parler, il sera simplement un théoricien, un théologien. Il n'y aura pas la vie. D'accord? Le discipulat, c'est la transmission de la vie. Pas seulement de la connaissance, mais la vie. D'accord? Pas seulement de la connaissance intellectuelle, mais la vie de celui qui enseigne, ou celle qui enseigne. Vous allez voir, Pierre, quand il a prié pour Tabitha, qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Pierre a fait sortir tout le monde. D'accord? Et il s'est mis à genoux, il a prié. Eh bien, Pierre avait vu cela, il a vu le Seigneur le faire. Quand ils ont prié, quand le maître a prié pour cette fille, dans Luc 7, n'est-ce pas? De 12 ans. Donc, la jeune fille de 12 ans. C'est ça, non? Voilà, la jeune fille de 12 ans. Et le Seigneur avait fait sortir tout le monde. Et bien Pierre n'a fait que répéter ce que le Seigneur avait fait. Vous avez vu? Donc c'est ça le disciple là. Mais vous voulez être, vous êtes disciple de Christ, mais vous allez répéter quoi? Vous allez faire quoi? Mais vous allez vivre comment votre disciple là si vous ne voyez pas Jésus faire les choses? Si vous n'avez pas une expérience avec le Seigneur? Donc c'est pour cela qu'on ne pouvait pas commencer cette formation sans passer par le disciple là. Je voulais enseigner sur l'approche de la Bible. Comment approcher la Bible. Hein? Donc, pendant la prière, tout à l'heure chez moi, le Seigneur m'a dit, parle-leur d'abord du disciple là. Parce que s'ils ne sont pas disciples, ils ne pourront pas comprendre les Écritures. Il faut qu'il y ait une relation. Il faut d'abord qu'ils comprennent ce que c'est le disciple là. Donc, voilà. Ça, c'est le... Donc, sur la grâce, hein, il y a d'abord le disciple là de Yéhoshua avec les douze. D'accord. C'est comme sous la loi. Parce qu'ils ont connu la transition hein, de la loi à la grâce. Donc ils ont connu cette période de la transition de la loi à la grâce. Donc Jésus était comme Moïse. D'accord. Avec les apôtres. Avec Josué était avec Moïse. Christ était comme ça avec les apôtres. Voilà. Les apôtres, ils ne pouvaient pas te dire non, Jésus, moi, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a donné une vision. Non. Dieu ne parlait pas aux apôtres.
qui n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ils avaient la procuration du nom du Seigneur quand ils étaient chassés les démons. Oui, mais c'était le nom de Yahushua qui faisait les choses. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit n'était pas encore descendu. Vous comprenez ou pas? Voilà. D'accord? Ok. Ensuite, quand le Seigneur va partir, l'Esprit va venir. Et là, on va voir un autre aspect du discipulat avec Paul, avec Pierre, tout ça, avec les apôtres. Ils avaient aussi des disciples, des gens qui étaient comme leurs disciples, mais plus. On ne va pas avoir leurs disciples, mais c'était des enfants dans la foi. D'accord? Là, on va plus tellement parler de disciples des hommes, mais des enfants de la foi. Voilà. J'en parle des enfants de la foi. Je suis dans la joie quand j'apprends que mes enfants marchent dans la vérité. D'accord? Donc là, les disciples étaient des pères. Voilà. Des pères. Dans la foi. Des modèles. Donc c'est tout, tout cet aspect-là qu'on va, que je vais développer là, et puis en finir. Donc, des pères dans la foi, c'est une notion qui est biblique. Et que souvent dans la francophonie, nous négligeons, surtout nous les francophones, là. Il y a un mélange, hein, donc il y a tellement l'esprit de rébellion, de contestation, ce qui fait que bon, bah, les chrétiens, voilà, il n'y a rien, les gens ne sont pas suffisamment enseignés. Il n'y a pas la notion des pères. Il y a des gens qui sont appelés au ministère, qui sont appelés au service du Seigneur, mais qui vont casser les pères dans la foi, des gens qui, n'est-ce pas, leur ont transmis la connaissance, qui ont prié pour eux. C'est pour ça qu'ils ne vont pas loin. C'est pour ça que vous allez voir dans la francophonie, il y a très peu d'hommes et femmes de Dieu. Véritable. Il y en a qui ont l'onction, mais ils ne vont pas plus loin parce qu'on ne connaît pas la notion des pères et des pères de la foi. Vous voyez? C'est important de savoir. Donc, les pères de la foi sont des frères avant tout, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose que vous devez savoir. C'est très biblique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour pouvoir poser des questions. Donc, on a vu le discipulat sous la loi, d'accord? On a vu le discipulat sous la grâce, donc Christ est le disciple. Maintenant, on va voir le discipulat sous la dispensation, n'est-ce pas, de la grâce, et donc avec les apôtres, justement, les apôtres. Et allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5. Voilà. 1 Corinthiens 4. Car quand vous auriez 10 000 êtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. D'accord. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. D'accord. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? D'accord. C'est bon. Écoutez bien ce qu'il va lui dire, ça va nous aider, ça va vous permettre d'avoir quand même un équilibre. D'accord. Et Paul dit aux Corinthiens, même si vous aviez 10 000 maîtres, didascalos, docteur, d'accord. Même si vous avez 10 000 maîtres, docteur, tout ça, maître, didascalos, enseignant. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Car c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur.
C'est fort ce que Paul dit ici. D'accord? Vous voyez, la notion du discipulat a changé. Et là, il est question maintenant d'engendrer des gens dans le Seigneur, c'est-à-dire amener les gens à suivre le maître qui est Christ. D'accord? Le maître par excellence qui est Yeshua. Mais Paul parle aussi d'autres maîtres qui sont des docteurs. C'est terrible, hein? Amen. Bien sûr, ces maîtres-là ne doivent pas être... C'est-à-dire, tout ce qu'ils enseignent, là, il faut que ce soit biblique, prouvé. Il faut aller vérifier. Et si ce n'est pas correct, vous ne devez pas les suivre. Ce n'est pas comme sous Moïse, hein, où les gens n'avaient pas le Saint-Esprit, mais vous avez le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais cela ne vous empêche pas, il n'exclut pas le fait qu'il y ait aussi de perdre la foi. D'accord? Parce que tout le monde n'est pas maître. Didascalos, enseignant. Le corps de Christ n'est pas composé que d'enseignants. D'accord? Il y a des gens qui ont reçu le mandat de former les gens, particulièrement d'engendrer. Ça, c'est leur appel aussi, donc, d'engendrer. Et Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Des gens qui peuvent vous enseigner ici et là. C'est moi qui vous engendrerai la foi. Et puis, il continue, il dit... je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. C'est fort ce qu'il dit ici. Hein. Waouh! Il y en a qui disent non, il était orgueilleux. Ben non, pas du tout. Soyez mes imitateurs, et comme il est de Christ, bien sûr. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle au Seigneur. C'est fort, hein? Qui est mon enfant bien-aimé. J'aime plus tellement le terme père spirituel, mais père de la foi. D'accord? Voilà. Donc, et en tant que père de la foi, Paul était un maître, Paul était un enseignant, un didascalos, et il pouvait envoyer ses enfants de la foi en mission. On ne connaît pas cette notion-là, cette dimension apostolique de l'Église, apostolique, où des didascalos forment les gens, non pour qu'ils le suivent eux, mais pour qu'ils suivent le Seigneur, et qu'ils sont capables aussi de les envoyer en mission. On ne connaît pas ça dans la francophonie. Il y a très peu d'églises dans la francophonie en France qui comprennent les choses comme ça, qui travaillent comme ça. On a la vision pastorale de l'église. Le pasteur qui est là, qui ne bouge pas, qui est le seul de temps à autre à aller à gauche, à droite en mission. Et voilà, ça s'arrête là. Donc du coup, les chrétiens, hein, ils savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas la dimension apostolique, la dimension missionnaire, tout ça. Voilà. Ça fait partie du disciple-là. Allez et faites de toute façon des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qu'on envoie, quelqu'un qui est envoyé, qui est formé pour être envoyé. Il n'est pas formé pour qu'il reste assis indéfiniment dans les assemblées, dans une église. Or, Dieu envoie, les pères de la foi envoient aussi. Mais bien sûr, il faut que les frères et ceux qui sont envoyés soient convaincus. Bien sûr, c'est pas... Ma question, c'est... Est-ce que les enfants dans la foi, parce qu'ils sont, donc ils ont leur père, est-ce qu'eux-mêmes, après, ils sont appelés à devenir père? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, mais c'est ça même l'objectif. Mmh. Maintenant, attention, n'allez pas chercher, vous imposer comme des pères. Mmh. Il faut vraiment un équilibre. N'allez pas chercher à dire aux gens, ma fille, appelez déjà ma fille, mon fils. Ça, c'est complètement charnel. Mmh. Cette mentalité-là, il faut la combattre. Et est-ce que le père, il reste père toujours, en fait, père dans la foi? C'est-à-dire qu'une fois que je suis père aussi dans la foi, est-ce que mon père dans la foi, il reste toujours mon père dans la foi? Bien sûr. Paul le dit d'ailleurs ici. Il dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Ça veut dire que les Corinthiens étaient déjà formés et ils allaient ici et là, ils servaient déjà le Seigneur, beaucoup parmi eux. Donc ils rencontraient d'autres prédicateurs, d'autres enseignants. Mais celui qui t'a engendré dans la foi ou dans le ministère, n'est-ce pas, est un père dans la foi. Voilà. D'accord? Moi, je voulais savoir si un pasteur qui vous dit d'aller ouvrir une église, il vous dit, moi, Dieu m'a montré, mais vous-même, Dieu ne vous a pas montré. Il ne faut pas le faire. D'accord. Donc, il faut toujours que vous soyez convaincu de ce qu'on vous demande de faire. Dieu doit vous parler avant. D'accord? Voilà. Les pères de la foi vont vous dire, j'ai à cœur telle chose, mais on va prier. Si Dieu te convient, tu peux bouger, tu peux partir. Ils vont toujours solliciter votre... volonté, non vous imposer la leur. D'accord? Voilà. Donc,
Voilà, donc on voit Paul, nous avons un exemple de quelqu'un, donc, parce qu'on a pris l'exemple de Moïse, hein, sous la loi, d'Élie, de Samuel, vite fait, et sous la grâce, bon, on prend Paul, par exemple, et on voit comment Paul a fonctionné. Est-ce que le ministère de Paul n'existe-t-il plus? Si, il y a encore des ministères de Paul, mais pas dans le sens où ils vont écrire encore la Bible, hein, compléter la Bible. Mais par contre, la mission, oui, bien sûr. Dans le cas du père de la foi, est-ce que son rôle doit être en fait d'enseigner quand on est père dans la foi? Est-ce qu'on peut continuer aussi à enseigner? Oui, bien sûr, mais les frères et ceux qui sont enseignés ne vont pas être enseignés à vie par le père de la foi. À un moment donné, quand ils sont suffisamment formés, ils vont aussi aller faire leur ministère, leur vie. Et comment le Seigneur les conduira. Et toutefois, ils peuvent de temps en temps demander des conseils par rapport à l'expérience de leur foi de la foi. Voilà. C'est à quel moment, en fait, qu'on peut dire que quelqu'un est son père dans la foi? Quels sont les. Vous inquiétez pas, Dieu vous montrera. Là-dessus, il ne faut même pas vous prendre la tête. Le Seigneur vous conduira vraiment. C'est dans l'esprit. Et j'insiste. Les pères de la foi ne sont pas de ceux qui viennent pour vous dire ouais, je suis ton père, tout ça. Ils ne se réclament même pas de ça. Vous voyez, donc pas du tout. Et voilà. Mais toutefois, il y a cette notion-là qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des didascalos, des enseignants, des maîtres sous la grâce. Et Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 5, on va le lire, hein, 11. Et Hébreux 5, 11. On va le lire, hein, rapidement. Et là, dans ce passage, nous avons. La confirmation que les enfants de la foi sont appelés à être des maîtres aussi. D'accord? Voilà. Quelqu'un peut le lire? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà. Tu vois ici, et l'auteur dit aux chrétiens d'origine hébraïque qu'ils devaient être des maîtres. C'est le terme, hein, didascalos, des docteurs, depuis longtemps. Mais ils restent enfants à vie. Vous voyez? Et c'est terrible, hein? Donc, en fait, prenez les choses, Dieu a fait les choses en double. Hein. Vous savez, la dernière fois, je donnais un enseignement sur Beth, hein, Elohim, tout ça, Bereshit Bara, Elohim, tout ça, voilà. Je nous ai dit hein, que la première lettre qui va être utilisée pour. La lettre qui va être utilisée pour écrire. En fait, la première lettre de la Bible, c'est la lettre Beth. Bereshit, au commencement. Et Beth a comme valeur numérique le nombre 2. Hein? Donc 2. Donc Dieu a créé les choses en double. Les deux Adam, un spirituel et un physique. Et les deux Bethléem, les deux Jérusalem, tout ça. Et à chaque fois. Et regardez, il a. Et regardez la famille physique charnelle et la famille spirituelle. Dans la famille, les familles charnelles physiques, il y a les pères et les enfants. Mais les enfants ne restent pas enfants à vie. Je veux dire, par rapport à leurs parents, oui, ils sont toujours enfants de leur père, mais ils peuvent être en même temps aussi des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères. À leur tour, vous voyez. Donc, vous voyez qu'ils ne restent pas enfants dans le sens où ils ne vont pas se marier, dépendre constamment de leurs parents, rester chez eux. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même réalité, c'est la même chose. Donc, Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont comme des pères, des mères à la foi, ils ne vont pas venir écraser les gens pour les empêcher de devenir des mères et des pères à leur tour. Au contraire, ils vont les pousser. D'accord? Ils vont faire des disciples. Pas leurs disciples à eux, mais les disciples de Yahushua. D'accord? Et ils vont amener ces gens, les encourager à se reproduire, à se multiplier. D'accord? Et ce n'est pas comme ça que la plupart de nos églises fonctionnent. On fait des adeptes et non des disciples. Et on les enferme dans les bâtiments, dans les dénominations, et on les tue. Ils ne vont pas exceller. D'accord?
Ils restent disciples depuis, ils sont chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, mais ils ne produisent rien de bon. Ils vont écouter un pasteur pendant 5 ans, 10 ans, et on tue les âmes, on tue les ministères, on détruit l'œuvre même du Seigneur, sans s'en rendre compte, avec cette vision complètement, pyramidale qui étouffe les ministères. Voyez, c'est comme si un père disait à ses enfants, écoutez, restez chez moi, vous n'allez pas voir ailleurs, et ne vous mariez pas, restez tout le temps avec moi. Voilà. Alors si j'ai bien compris, en fait, un père dans la foi, c'est celui qui permet qu'on marche selon le Seigneur, en fait, dans la vie. Voilà, tout à fait. C'est celui qui nous annonce le Seigneur, en fait. C'est pas un père, c'est tout à fait. C'est un père aussi. Père. Tout à fait. Mais s'il ne nous emmène pas à marcher selon le Seigneur. C'est un faux père, d'accord, dans la foi. Le père de la foi est d'abord un frère. Donc s'il se méconduit, on le reprend dans l'amour, comme la parole le dit. Voilà. D'accord. Donc, on va prendre un autre passage dans 2 Jean. 2 Jean. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voyez, ces apôtres qui étaient d'abord des disciples de Yeshua, ils ont été tellement bien formés par le Seigneur qu'ils sont devenus des pères de la foi. Voyez, ils ne sont pas restés improductifs. Au contraire, à la mort du Seigneur, le Saint-Esprit était venu, hein, l'Esprit est venu à la mort du Seigneur dans Actes 2, et il les a aidés à être, n'est-ce pas, des pères. Il les a amenés à cette maturité. Et à leur tour, ils ont prêché l'évangile, ils ont gagné les âmes, ils ont fait des disciples, non leurs disciples, mais des disciples de Yeshua. D'accord ? Et ils étaient des pères de la foi pour eux, par rapport à leur vie sanctifiée, on va le voir. D'accord ? Et ça, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. Donc, si on est disciple, hein, donc ça, c'est... Voilà, donc le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les hommes des disciples. Il n'a pas dit tout de suite des apôtres, des prophètes, des docteurs, mais d'abord des disciples. C'est pour ça que la formation commence par le discipulat. D'accord ? C'est important de commencer bien. Est-ce qu'on choisit son père spirituel ? Non. Parce que ça nous est... Ça nous... Pas du tout. C'est Dieu qui va connecter, qui va faire des connexions, tout ça, là, de manière tout à fait inattendue. Si vous craignez le Seigneur... Dieu, c'est lui qui conduit les choses. Regardez, Paul et Timothée. Timothée n'a pas choisi Paul. Acte 15. Ah, acte 16, pardon. Quelqu'un peut nous lire en verset premier? Ils se sont rendus ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendirent lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voilà, on s'arrête là. Vous voyez, c'est fort, hein. Vous voyez, le discipulat sous la dispensation de l'Esprit, c'est merveilleux, hein, aussi. Hein. Qui a amené Timothée au Seigneur? Paul. Comment vous le savez? Ah, Saint-Esprit. Il y avait déjà dit. Et il a déjà dit, après, c'est Paul qui l'a amené au Seigneur. Posez-moi la question, comment? Timothée était de quelle ville? Ici. Ah, Lystre. N'est-ce pas? C'est ça? Ok. Il se rendit ensuite à Derbe et à... Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. On nous parle de Lystre et de Derbe. Ok, on va dans Acte 14. Verset 1er, quelqu'un peut le lire? Aïkoun, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ok, verset 5. À 7. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas,
en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Nicaronie, à Lys et à Derbe, et dans la contrée et dans les contrées d'Avanto. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. On continue. À Lys se tenait assis un homme impotent, des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue iaconienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Verset 21. 20-21. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Où c'est ? Lystre, Icône et Antioche. Vous voyez que Timothée s'était converti suite à l'évangélisation que Paul avait effectuée dans cette ville de Lystre. Vous comprenez ? Voilà. Mais Paul ne l'avait pas forcément vu parce qu'il n'avait pas du monde. Voilà. Non, père dans la foi. D'accord. Est-ce que c'est pas plutôt le fils qui reconnaît le père que dans l'autre sens, je veux dire, comme ici dans le bien sûr, père, bien sûr. C'est bien sûr. Ça, mais... Et inversement, parce que il y a quand même une relation saine, basée sur la parole, sur Christ. Voilà. C'est et les échanges qui doivent forcément communiquer. Au fait, voilà. Ça, mais ils sont d'abord frères. Voilà. Vous voyez ici, Paul amène Timothée au Seigneur lors de son passage à Lystre. Il y avait tellement ce miracle que le Seigneur avait opéré là-bas que Timothée était. Voilà, il servait le Seigneur. Il était formé, il était disciple. Et les gens rendaient de lui un bon témoignage. Et quand Paul arrive là-bas, de nouveau à Lystre, on lui parle de Timothée, il le prend comme un père, il circoncise ce dernier. C'est fort, hein? Comme les enfants, comme les Hébreux qui, 8 jours après la naissance de leur fils, est né. Voilà, donc. Il faisait circoncire. Et en lisant ce passage, on a presque l'impression que Timothée était amené à être formé par Paul, en fait, que c'était, enfin, Paul était juste l'intermédiaire, en fait, pour former Timothée, qui était amené à être plus qu'un disciple. Enfin, c'est ce que je comprends. En fait, il était disciple de, oui, en fait, Timothée était disciple de Joshua, bien sûr. Donc, on n'a pas dit qu'il était disciple de Paul. On nous dit qu'il y avait un disciple là-bas nommé Timothée. Paul a servi à... Voilà, donc Paul le fait là, il faisait maintenant pour amener ce frère à son ministère. Voilà. Voyez. Donc ça veut dire que sous la grâce, les frères et sœurs ne sont pas les disciples des hommes. Ils sont les disciples du Seigneur. D'accord. Et les pères de la foi les forment non pour qu'ils les suivent eux charnellement, mais pour qu'ils servent le Seigneur, tout simplement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce qu'il peut y avoir différents aspects par rapport au fait d'engendrer? Parce que là, on parle vraiment de Paul qui a amené Timothée au Seigneur. Est-ce que des gens qui ont déjà connu le Seigneur peuvent avoir quand même un père? Bien sûr. Qui les amène à rentrer à répondre à l'appel, oui. Bien sûr. Paul a eu à rencontrer ce type de personnes. Mais là, on voit vraiment que... Regardez ce que Paul disait à Timothée dans Philippiens. Chapitre 4, verset 9. Reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez, ce que vous avez appris, donc on a vu que le disciple, c'est celui qui apprend, hein. D'accord. Ce que vous avez appris, il est aussi celui qui reçoit, donc on a étudié on a vu ça au début de l'enseignement, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, c'est ce qui vous importe ici. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas seulement l'enseignement que tu dois recevoir les hommes, il y a également leur vie. Alors, quelqu'un qui t'enseigne la parole, s'il ne la vit pas, il ne faut pas l'écouter. Voilà. C'est pour cela c'est bien beau d'aller fouiller sur Internet ici et là. C'est bien. Mais c'est mieux d'approcher ces personnes pour connaître leur vie. C'est possible aussi de marcher dans le Seigneur sans père ou pas? Parce que je pense à Paul. Paul qui a. C'est important pour exterminer le peuple de Dieu qui l'a reçu Christ.
Et il dit qu'il a été ni à Jérusalem, ni vers Pierre et tout ça, mais il est parti directement pour prêcher la parole, en fait. Mm-hmm. Donc son père dans la foi, c'était Christ directement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul a été après, il est resté 15 jours. Les grandes lignes qu'il a reçues, la doctrine chrétienne, personne ne lui a enseigné. C'est Christ directement. Mais les bases, il est resté avec Ananias, par exemple, qui a prié pour lui, qui l'a baptisé. Donc, le Seigneur se sert des hommes pour nous donner les bases, qu'on ne veut pas. Et Paul est passé par là. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller chercher les pères dans la foi. Ce n'est pas ça l'enseignement. Je veux simplement nous faire comprendre que nous sommes dans une culture, issue des cultures, il y a tellement la rébellion que... Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui font n'importe quoi, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre spirituel dans nos vies. Et ce qui fait que les gens font n'importe quoi. Et rappelez-vous bien que nous sommes dans un corps et que nous sommes dépendants les uns des autres, comme la parole enseigne. Donc Paul a été ensuite chez Jacques, il est resté 2 semaines chez Pierre, par exemple. Et donc ils ont discuté de quoi. Donc Pierre a raconté à Paul comment il était avec le Seigneur. Donc... bien sûr, il a partagé. Ensuite, quand Paul a eu les grandes révélations qu'il avait reçues, il les a exposées auprès de Pierre, Jacques et Jean. Et tout. Voilà. Mais sinon, c'est pour ça qu'il faut comprendre le disciple là, parce qu'on rencontre des chrétiens qui se disent « Moi, je ne veux pas être enseigné par les hommes, tout ça », mais c'est faux. C'est pas vivre que ça, c'est de l'orgueil. Soit c'est de l'orgueil, soit c'est de l'immaturité. Parce que, oui, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais on a besoin d'être enseigné par les hommes. Parce que le Seigneur a établi les uns apôtres, les autres prophètes, pour le perfectionnement des saints. C'est très, très biblique. Très biblique. Donc, il faut un équilibre. Sinon, on ne va pas pouvoir faire l'œuvre. Dieu ne nous envoie pas évangéliser les chiens, les animaux. Il nous envoie évangéliser les hommes, donc pour les former. Amen. Voilà. Vous avez besoin des disciples, il y a des plus faibles et des plus forts. Comment ? Il y a des plus faibles et des plus forts dans les disciples. Tout à fait. Hein ? Donc, ça veut dire quoi ? Les plus faibles, les plus forts ? Il y en a qui peuvent enseigner, d'autres pas, d'autres qui peuvent avancer, et qui comprennent moins bien la parole, je ne sais pas. En fait, les faiblesses, c'est par rapport aussi à nos caractères, et tout simplement. Mais si nous avons tous le Saint-Esprit, et en tout cas, nous allons comprendre, c'est vrai qu'en fonction de l'appel que chacun a reçu, mais en tout cas, nous allons comprendre les choses nécessaires, salutaires, on va les comprendre pareillement. Parce qu'il y en a qui lisent la parole, qui ne la comprennent pas, mais par contre, qui marchent, qui savent qu'il faut marcher en sanctification, qui savent qu'il faut marcher comme ça, quoi, mais ils n'arrivent pas à aller plus loin. Quoi. Mais okay. Ils marchent dans cette sanctification, et voilà, ils d'accord. Comprennent que voilà, faut suivre le Seigneur, et c'est indispensable. D'accord. Bon, ça dépend aussi de l'appel que chacun a reçu. Par exemple, celui qui est amené à enseigner 10 000 personnes, et je prends juste un exemple, hein. Donc quelqu'un qui est amené à enseigner 3 personnes, et celui qui est amené à enseigner des milliers de personnes, ils ne vont pas avoir la même compréhension des choses. Donc, en fonction de la charge qu'on a reçue de la part du Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, les choses qui sont nécessaires à notre salut, en tout cas, l'Esprit nous aide à les comprendre de manière. Comme tu parles de la sanctification, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être apôtre pour comprendre qu'il faut marcher dans la sanctification. Chez les disciples, il y a des spécialités, tu te compte. Des dons. Des spécialités, oui, effectivement. Des dons, on a des dons qui diffèrent. Voilà. Les uns des autres. Tout à fait. Donc, il faut qu'on. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur voulait qu'on commence par le disciple là, parce qu'il faut de la discipline. Il faut comprendre qu'on a besoin d'être enseigné. D'accord ? On a besoin d'enseignement, de l'esprit, oui, mais aussi des frères et sœurs. C'est important. J'ai besoin d'écouter les frères et sœurs pour aussi apprendre. C'est ça le disciple là. Nous sommes tous disciples de Christ. D'accord ? Et vous devez savoir que vous êtes appelés demain des personnes qui vont engendrer. Et si vous ne le savez pas, donc vous n'allez pas correctement servir le Seigneur. Vous êtes appelés à être des pères et des pères de la foi. Mais n'allez pas vous présenter aux gens en tant que des pères et des mères spirituelles, parce que là, c'est lui qui vient me voir pour me dire « Je suis ton père de la foi, je veux le rembarrer de ses pères. » Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Amen. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. J'ai une question. Alors, les disciples, après, quand ils sont enseignés, avant d'aller ça et là, ils ont besoin d'être mandatés par leur Père, non. Par la foi. Non, par le Seigneur. Voilà, par le Seigneur, hein, c'est clair. Donc, les pères à la foi, s'ils sont dans l'apostolat, par exemple,
parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'apostolat. Hein. S'ils sont dans l'apostolat, ils sollicitent les frères et sœurs avec lesquels ils travaillent, n'est-ce pas, lors des missions ici et là. Et en fonction, s'ils ne sont pas convaincus, il ne faut pas qu'ils partent. Voilà. D'accord. Et les enfants de la foi ne vont pas aller voir leur père de la foi pour, comment dire, connaître la volonté du Seigneur. Non, non, ils ne vont pas les consulter pour connaître la volonté du Seigneur par rapport au mariage, par rapport au projet, par rapport à l'appel. Non, ils ont leur relation avec le Seigneur direct. Voilà. Mais si il voit le disciple, si on l'a formé, il part, il va faire son œuvre évangélisée par ses parents. Mais si le père spirituel, il entend ça, il ne va pas dire qu'il s'est révélé. Non, non, le père de la foi, non. Il faut plutôt père de la foi. Non, c'est... Si tu es dans une assemblée, par exemple, ben, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire. Maintenant, si le Seigneur te demande de commencer une église, ça, il faut en parler aux frères et sœurs, il faut en parler à l'assemblée locale. Si tu reçois un appel pour aller commencer une œuvre, là, ben, les frères et sœurs vont prier pour toi. S'ils sont convaincus, ils vont te recommande au Seigneur. Il faut faire les choses proprement. Voilà. D'accord. Donc, on a vu que Jean était dans la joie hein, d'apprendre que ses enfants de la foi marchaient dans la vérité. D'accord. C'est vraiment important de se réjouir quand les frères et sœurs avancent. Voilà. D'accord. Donc, vous avez vu qu'il y a seulement trois mentions, hein, on va finir bientôt, dans tout le Nouveau Testament, trois mentions du nom chrétien. Hein, alors que la plupart de temps, les frères et sœurs étaient appelés disciples. D'accord ? Voilà. Donc, disciples du Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 6, verset 40. N'est pas plus que le maître. D'accord. Donc le maître, bien sûr, c'est Yeshua. Hein. Voilà. Donc ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Donc c'est le Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître. Donc il ne faut pas chercher à faire des choses plus que Jésus pour prouver aux gens, pour démontrer, n'est-ce pas? Mais tout disciple accompli sera semblable à son maître. Donc ça veut dire quoi aussi quand le Seigneur dit que le disciple n'est pas plus que le maître? Ça veut dire que si Jésus a été traité de Belzébul, celui qui prétend être son disciple sera traité aussi de Belzébul, de sorcier, de magicien. D'accord? Maintenant, si vous apprenez que les gens traitent un frère de sorcier, de magicien, et que vous êtes troublé, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça ne doit pas vous choquer parce que c'est biblique. Tout disciple accompli sera semblable à son maître. D'accord? Or, nos chrétiens d'aujourd'hui, quand ils entendent seulement que le frère Choré est sorcier, le frère Ludo est sorcier, là c'est vrai que. Mais c'est pas possible. Ils sont troublés. Ils ne vont pas chercher Dieu pour avoir la confirmation, mais ils vont appeler les frères et sœurs pour dire non, mais j'ai entendu telle chose, qu'est-ce que tu en penses quand même là? Là, si tu entends ça, comprends qu'en fait, soit il y a l'immaturité, soit la personne n'a pas une relation avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est pour cela que c'est important d'être enseigné, frère. Écoute, moi, personnellement, je suis fatigué de devoir me justifier à chaque fois que je ne suis pas sorcier, que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, que je n'ai pas machin. On est à un moment donné, on se dit, bah, écoute, je reste chez moi. Ben non, Dieu dit non, il faut continuer à travailler. Pourquoi? Parce que on est obligé de Jésus. Pourquoi? Parce que on est entouré de chrétiens immatures. D'accord? Quelqu'un qui veut me voir pour me dire que par exemple, que Christophe est sorcier, je lui dis, attends, ça fait 12 ans que je suis avec lui, je vais le rembarrer, je lui dis, écoute, va voir ailleurs. Je n'ai pas le temps de tendre mon oreille pour écouter des niaiseries, parce que je me dis, non, je connais le frère, allez, ça arrête là. On court toutes sortes d'histoires, de médisances. Donc, Christ était traité de Belzébul, donc tout homme, toute femme qui veut être son disciple sera traité ainsi. D'accord? Christ a été lapidé. Tout disciple de Christ sera lapidé. Verbalement, physiquement. D'accord? Il a été crucifié. Nous serons crucifiés. D'accord?
C'est ça le disciple là. C'est la croix. Il porte sa croix tous les jours. D'accord? Mais par contre, si vous avez, vous voulez être plébiscité des hommes, vous ne serez pas disciple de Jésus. Parce que Dieu lui-même n'est pas plébiscité par ses créatures. Il y a des athées, soi-disant. Il y a des gens qui sont contre Dieu. Il y a de tout. Pourtant, il nous a créés. D'accord? C'est important d'être enseigné, suffisamment enseigné. Donc, le disciple doit être accompli pour être, comme son maître, pour qu'il soit accompli, comme on l'a vu dans 2 Timothée 3, afin que l'homme de Dieu soit accompli, n'est-ce pas? Pleinement formé, mature, c'est la maturité ici. Accompli, c'est la maturité. Il faut de la maturité. Amen. Il sera comme son maître. Chrétien veut dire quoi? Ah, voilà ces hommes qui étaient accomplis. Et quand les païens les ont vus, ils ont dit, mais ils sont accomplis. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, littéralement, tout disciple accompli sera chrétien. Parce que chrétien veut dire comme Christ. D'accord? Comme son maître. Pour un chrétien, ça prend tout son sens. Là. Voilà. Donc, avant d'être chrétien, on est d'abord disciple. Et quand il y a la maturité, on devient chrétien. On n'est pas chrétien comme eux. Ben non. On n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on s'est fait baptiser. On n'est pas chrétien parce qu'on va dans une assemblée. On n'est pas chrétien parce qu'on lit la Bible. On est chrétien parce qu'on est accompli. Pleinement formé. Pleinement formé. Quand les gens te voient, ils voient Christ. Là, tu es chrétien. C'est pour ça qu'il faut une réformation. On a mal compris les choses. Qui n'avait pas vu les choses comme ça? Vous avez vu la nécessité de se former? Comment? Non, il faut bien voir les choses. Ben oui, c'est pour cela que Pierre dit ceci. Il dit, regarde ce qu'il dit. Oh Seigneur, nous avons besoin de te réformer. Non, mais chrétien, ça vient des païens, c'est vrai, mais ça vient des païens, mais c'était un beau témoignage, un très très beau témoignage de la part des inconvertis qui ont vu Christ dans ces hommes et ces femmes. Vous l'avez vu? Il ne faut pas faire les choses de manière charnelle parce qu'on ne comprend rien, parce qu'on se dit, mais oui, mais qui sont ceux qui sont censés témoigner de nous? Ce sont les inconvertis. Comment ils peuvent voir Christ, les païens, enfin, les gens comme Christ, hein, ils ne connaissent pas. Si, ils ont entendu parler de lui. Ils avaient le témoignage de Christ, bien sûr. D'accord. Ils ont entendu parler du Seigneur et maintenant ils cherchaient des gens qui lui ressemblaient, qui ressemblaient au témoignage qu'ils avaient de cet homme de Galilée. Et quand ils ont vu les disciples accomplis, tout disciple accompli, c'est-à-dire tout disciple qui a atteint la maturité, c'est pour le perfectionnement des saints que Dieu a établi ce ministère. Parce que les disciples, ces hommes et ces femmes, avaient cru en Jésus, mais n'étaient pas encore matures. Il y avait encore des lacunes. Il fallait qu'ils soient enseignés, cet enseignement est basé sur Christ, pour qu'ils aient les caractéristiques du Seigneur. Donc, ils ont tellement reçu les enseignements de la part des apôtres, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres et ils ont commencé à ressembler à Christ. Et en vivant dans le monde,
en pratiquant le discipulat, non dans les églises, mais dans le monde, au travail, à l'école, que les païens ont dit, eh bien, ils sont chrétiens. Ils sont comme leur maître. Ils parlent comme leur maître. Ils s'habillent comme leur maître. Ils se comportent comme leur maître. C'est-à-dire l'humilité, la sanctification, la crainte de Dieu. Ils avaient tenu des propos, des amis décents, corrects, propres, saints, bienséants. Et du coup, ces disciples étaient chrétiens. Mais nous, aujourd'hui, on nous dit quoi? On dit non, il ne faut pas être chrétien, même ceux qui se disent de la réforme de l'église. Les églises disent non, il ne faut pas être chrétien, il faut être des disciples. Mais ça, c'est le début. Là. Acclamons le Seigneur, frère. Oh Dieu, délivre-nous. Alléluia. J'ai une question. Attends, il faut pas me couper, s'il te plaît. Paul dit c'est un beau nom. Si quelqu'un souffre comme chrétien, comme Christ, d'accord? Quelqu'un qui donne sa vie aujourd'hui là, il est disciple de Christ. C'est-à-dire qu'un disciple, celui qui reçoit l'enseignement d'un maître. Mais pour devenir un jour lui-même maître. D'accord? Il est disciple de son maître, mais il n'est pas comme son maître. D'accord? C'est vrai? Il vient de commencer à peine, il vient à peine de rentrer dans le discipline. Alléluia. Amen. Donc, allez chercher maintenant les chrétiens dans nos églises. Ben oui, mes amis, c'est pour cela que très peu partiront à l'enlèvement de l'église. Dieu nous garde. Qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ah, je suis chrétien parce que ma mère est chrétienne. Ah, je suis chrétien parce que je chante dans une chorale. Ah, je suis chrétien parce que mon père est pasteur. Ah, je suis chrétien parce que je connais des versets bibliques. Ah, je suis chrétien parce que j'ai étudié la théologie. Ah, je suis chrétien parce que je suis pasteur. Non! Tu es chrétien parce que tu souffres. Parce que Christ a souffert. Donc le maître a souffert, nous sommes appelés à souffrir. D'accord? Ok. Je crois que ce soir, on va s'arrêter là. Vous avez le temps de digérer et de réaliser si vous êtes chrétien ou autre chose. Ah bah oui. Bah oui. Vous voyez, quand il y a l'enseignement, c'est comme si on était devant un miroir. Et on s'aperçoit qu'en fait, là, les amis, là, je ne suis pas chrétien. Parce que quand il y a un petit combat, là, je pleure, je gémis, je refuse de souffrir, tout ça, que mon nom soit outragé, je refuse la croix, tout simplement. Cette souffrance, en fait, elle est là pour nous amener à développer les fruits de l'esprit. On voit, tout à fait. Donc, du coup, un chrétien, c'est celui qui vit avec les fruits de l'esprit. Voilà. C'est quelqu'un dont Christ s'est formé et formé en lui. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en fait, le disciple est salutaire. C'est-à-dire, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas disciple. Mais pas du tout. Et on ne peut pas être sauvé si on n'est pas disciple, parce qu'on n'est pas disciple de Chora, de... Il y en a malheureusement qui sont les disciples des hommes. Mais on ne peut pas être sauvé si on n'est pas disciple de Christ, hein, c'est clair. Le disciple est celui qui reçoit l'enseignement du maître. D'accord? Qui suit le maître. Qui sert le maître. D'accord? Et l'objectif, c'est
qu'il doit être comme son maître, donc chrétien pour nous. Donc tous ceux qui ont accepté le Seigneur, mais sans avoir vraiment ses valeurs, voilà. Ils sont perdus en fait. Mais parce qu'ils ne sont pas comme le Seigneur, ça c'est clair. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, nous dit la parole. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas être disciple de Sarkozy si vous n'avez pas le langage de Sarkozy. D'accord ? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pour cela que très peu de gens sont chrétiens. Très peu de gens partiront à l'enlèvement. C'est pour cela que tous ces problèmes de nos églises, même chez nous ici, quand on corrige les gens qui pêchent, les gens, ceux qui se disent chrétiens, ils se révoltent. Mais Christ n'aurait pas agi comme ça. N'aurait pas réagi comme ça. C'est parce qu'il y a très peu de chrétiens. La prochaine étape, le disciple là nous amène à être comme Christ. Parce que le maître suit l'enseignement du maître, le disciple suit l'enseignement du maître, et à la mort du maître, il prend sa place. Il continue l'œuvre. D'accord ? Je ne vous laisserai pas orphelin, le Seigneur a fait le travail, il a formé. Il est parti et les disciples ont commencé à travailler comme des maîtres. Vous voyez ? Pour être appelé maître, il faut avoir un ensemble ou être pasteur où tu pas du tout. Bien la parole. Non, non. De toute façon, on n'a même pas besoin qu'on nous appelle maître, tout ça. Là. Il y a même plus tout ça, là, il faut qu'on sorte un peu de là, de ça. Et c'est-à-dire que tu reçois l'enseignement du Seigneur, Dieu te forme, te façonne, et tu marches dans la sanctification, la crainte de Dieu, tu vas commencer à mourir par rapport au péché, à des choses de ce monde, et porter des fruits de l'esprit. Et ensuite... par ta vie sanctifiée, au travail, à l'école, tout ça, là, les gens vont voir que tu n'es pas comme les autres et ils vont commencer à être touchés, n'est-ce pas? Certaines personnes vont commencer à être touchées, et ben, il y en a qui vont se convertir. Voilà. Tu n'es pas forcément obligé de voir les gens que tu as mis au Seigneur par ta vie. Les gens peuvent se donner au Seigneur même de loin parce qu'ils te voient comment parler, comment tu parles, comment tu travailles, comment tu vis, comment. Voilà. Ils sont encouragés. Voilà. Voilà. Donc, le Seigneur Paul dit pour vraiment finir, là, on ne va pas lire ce passage, mais je vais juste le citer, dans Philippiens 3, 17, il dit, portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. D'accord? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant, n'est-ce pas? Et ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, n'est-ce pas? Et leur fin sera la perdition. N'est-ce pas? Et donc, Paul était en prison quand il a écrit cette lettre. Et il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de modèles. D'accord? Et il demande aux chrétiens de Philippe de porter le regard sur ceux qui marchaient à l'époque, selon le modèle qu'ils avaient en eux. Donc, il y a besoin de références. Il y a besoin des hommes et des femmes qui soient des références. Il y en a qui vont dire, non, mais moi, c'est Jésus-Christ. Oui, mes frères. Vous savez, ceux qui disent cela, c'est bien, oui, moi, c'est ma référence, c'est Christ. Oui, nous sommes d'accord. Mais il faut qu'on soit équilibré. Ne soyez pas ne soyez pas orgueilleux, ni trop prétentieux, ni trop immature. Il faut un équilibre. Oui, notre référence parfaite, c'est Christ. Mais Christ s'incarne dans les corps des uns des autres. Parce qu'il a un corps. Et en tant que chrétien établi sur terre, nous avons besoin des modèles. C'est important. C'est important. Et les apôtres, eux qui ont écrit la Bible, le disaient. Alors pourquoi pas nous? C'est écrit. Maintenant, ces modèles ne doivent pas être des idoles. Au contraire, ces hommes et ces femmes doivent être des modèles de sainteté, d'humilité, de crainte de Dieu, de persévérance, d'endurance. Et on ne doit pas les idolâtrer, mais les encourager, prier pour eux, les soutenir. Donc, vous-même, vous êtes appelés également à être des modèles de sainteté, de sanctification, de crainte de Dieu. Et le chemin, je ne vous cache pas, le chemin est parsemé de beaucoup de pièges, beaucoup d'embûches, beaucoup de pleurs, de blessures. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Les gens sont complètement désemparés. Les chrétiens se retrouvent pratiquement seuls. À gauche, à droite, ça traîne. Ils sont en train de tourner. Ici et là, il n'y a pas de formation, bien qu'il ne faut pas d'encadrement. Et beaucoup aussi ont la possibilité d'avoir des frères et sœurs qui
peuvent les encadrer, les aider, mais ils sont tellement orgueilleux, tellement têtus qu'ils n'écoutent pas. Et ils finissent mal à chaque fois. Parce qu'ils pensent toujours de la terre, ils veulent, pour eux, le ministère, c'est le voyage, c'est l'argent, c'est le succès, c'est tout ce que vous voulez. Bref.